L'Union nationale des techniciens et ouvriers industriels veut lutter contre le chômage et donne des pistes de solutions. Anne Doucy, une jeune fille en classe de terminale, meurt dans un accident de la circulation alors qu'elle se rendait dans son centre d'examen. Et 18 millions de doses du premier vaccin anti-paludique vont être acheminées dans 12 pays d'Afrique. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Dans la lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, l'Union nationale des techniciens et ouvriers industriels veut accompagner le gouvernement. Au cours d'une conférence organisée le mercredi 5 juillet 2023, les responsables de cette union ont lancé un appel aux autorités et aux jeunes. Nous voulons présenter un aspect qui est méconnu des Ivoiriens. Le secteur industriel peut éradiquer le chômage à 100% en Côte d'Ivoire. Au point même d'aller chercher nos frères de la diaspora pour venir les mettre dans le travail ici. C'est-à-dire qu'on va inverser l'exode. Ils sont partis par l'eau, on va aller les chercher par avion parce qu'il y a du boulot au pays. S'ils affirment aujourd'hui que le secteur de l'industrie est pourvoyeur d'emplois, ils reconnaissent également le rôle important joué par le gouvernement pour créer les conditions. D'ailleurs, une journée d'hommage est annoncée pour le 29 juillet 2023 à l'Agora de Kumasi. C'est l'un des objectifs de l'Union aussi. Faire la promotion des différents métiers que nous pensons que ces métiers, si les Ivoiriens pratiquent ces métiers en Côte d'Ivoire, ils pourront s'en sortir. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Donc, de mettre l'accent sur les métiers. C'est vrai, le bureau il est très important, mais de demander à la jeunesse ivoirienne au lieu de mettre l'accent sur les métiers. Je ne peux pas citer tout, mais il y a assez de métiers et ces métiers portent. La soudure, la chaudronnerie. Assez de métiers. Aujourd'hui, vous voyez que ça se construit partout, les ponts et autres, les maisons même. Donc si tu es même un menuisier aujourd'hui, un maçon, tu auras à manger. Oui, à travers cette... C'est-à-dire que nous, on considère cette cérémonie d'hommage comme une lucarne. Une lucarne qu'on va saisir pour dire déjà ce que le président de la République a pris comme résolution. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une école pour former au métier du pétrole. Ça n'existait pas. Donc ça a salué et il faut communiquer dessus. L'Union nationale des techniciens et ouvriers industriels de Côte d'Ivoire a été créée le 30 décembre 2021. Elle revendique plus de 100 000 membres et mobilise plus d'une vingtaine de métiers industriels. Centre hospitalier universitaire de Cocody. Aux abords de l'établissement sanitaire, des points de restauration sont installés. Ici, on trouve une variété de mets accessibles à toutes les bourses. Malgré la cherté de la vie, ces commerces restent rentables selon leurs tenanciers. Bien qu'installés de façon plutôt anarchique, ils se doivent d'améliorer l'hygiène du cadre dans lequel ils exercent. Elle se nomme Seka Grace. Elle était candidate au baccalauréat session 2023. Elle a trouvé la mort le mardi 4 juillet dernier en se rendant à son centre d'examen. Selon les informations recueillies, elle aurait été percutée par un camion Ben qui effectuait un dépassement à vive allure en plein centre-ville alors qu'elle se trouvait à l'arrière de la moto que conduisait son père. Le père s'en est sorti avec des blessures et nous explique ce qui s'est réellement passé. Ma fille est candidate au bac A. Quand le matin, quand je dois aller au service, elle doit partir. Je vais aller la déposer au centre. Et puis moi aussi, j'ai continué à aller ici à la graine. Quand je l'ai prise derrière moi, mais arrivé vers le feu, elle dit, mais il y a un gros camion derrière nous. Au moment où je serai à droite, le camion a pris ma fille. Elle a projeté sur le goudron. Moi aussi, je suis tombé, la moto est tombée sur mon pied. Étant de lever, je regarde derrière, voici le sang de ma fille qui saute, qui coule. De ses narines, dans sa bouche. Un camion de sable. Dans la vie, la vitesse, quand même.
Seka Grass était élève au groupe scolaire Akonda de Ndoussi en classe de terminale A2. Et pour finir, environ 18 millions de doses du premier vaccin antipaludique RTSS vont être acheminées dans 12 pays d'Afrique jusqu'en 2025. L'annonce a été faite le mercredi 5 juillet 2023 par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin Gavi. En 2021, 96% des décès dus au paludisme dans le monde se sont produits en Afrique. Le vaccin RTSS mis au point par le groupe pharmaceutique britannique GSK a déjà été administré à plus d'1,7 million d'enfants dans trois pays africains, le Ghana, le Kenya et le Malawi, dans le cadre d'un programme pilote. En plus des trois pays tests qui continueront à recevoir des doses, 9 autres pays bénéficieront de ces doses, ont indiqué l'OMS, l'UNICEF et Gavi dans un communiqué. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Libéria, du Niger, de la Sierra Leone et de l'Ouganda. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Cette Info.